J'arrive dans la camping de la voisine. Je vois pas quoi, l'espèce de consanguin de ses morts en train de bouillave le tchoukel. Incroyable, j'ai jamais vu ça de mes yeux. Pelanda, allez-y. Bonjour à tous les amis. Bonjour. Alors aujourd'hui, comment dire? Donc nous avons Yann oui. Ici présent devant le pont. On a un pêcheur en bateau juste ici. C'est une chose très importante. On ira pas nager aujourd'hui. Encore. Donc là on est sur la. Je sais pas, ça fait peut-être 5. Ça doit y avoir 2 vidéos peut-être. Ça fait au moins 4 fois qu'on vient en vrai. Et là on a dit qu'on voulait faire un putain de looping autour de ce pont et aujourd'hui on est là pour ça. On a pris 2 avions. Ah mais il est large le pont. Oui il est large. Non mais ce jeu c'est un vrai défi hein. Le faire un looping autour du pont, c'est un vrai défi, surtout qu'on peut quand même. On peut quand même potentiellement créer un accident. Ouais. Je ne serai pas responsable. Là, j'ai mon avion, nous avons un invité d'exception, oh. Mon petit Jean Cayenne. Comment ça va, Jean Caillou? Ça va bien, vous. Et notre petit Ronan. On est voilà, Ronan. Toujours RB Prod. Le monteur, le manager, le bras droit, tout sauf la kékette. Mais en tout cas, il est avec nous, celui-là. Moi, je propose que ça... à Yann, moi, j'ai juste envie de dire, on y va. Ah mon petit Yann. On est bon. Moi je le sens. On l'a. Alors attention, on a préparé le bordel les amis. On a fait un vol d'essai et de réglage. Ouais, d'habitude on le fait pas ça. D'habitude on le fait pas. Tu le lances pas là? Je lance ou je le pose par terre? Ah par terre c'est une mauvaise idée. Je lance le mais par là Yann. Comme ça on peut. S'il tombe, il tombe dans la rue et pas dans l'eau, tu vois. Allez. On décolle dans le sens inverse, qu'il faudrait décoller. C'est pas grave, y'a pas de vent. On est avec toi. On est avec toi Yann. Allez vas-y. Après il se retourne après. Mais jette le pas vers l'eau. Ah mais on est vent de côté hein. Mais c'est pas grave. Voilà, regarde ça. Ça c'est un avion réglé ça. Bon là je me rapproche du pont les amis. Prends le temps de te chauffer, de t'entraîner Yann. Voilà, ça c'est un looping. Et après moi bien évidemment j'ai pris mon avion à moi, le gros, celui qui coûte cher, pour le faire. Là Yann il s'entraîne, il est en train de nous faire des beaux petits loopings les amis. Manque pas la mouette. Waouh, le beau looping. Moi franchement je dis ça, je dis rien, ça pue quand même la merde l'histoire. Tu nous dis quand t'es prêt Yann? Prends ton temps. Évalue un peu les distances avec le pont et tout. Sois à l'aise avec le matériel, mon petit Yann. Notre petit RB Prod juste là-haut qui va aller filmer de là-haut. On ne produit rien maintenant, on ne produit rien. Alors Yann, tu sens que ça va le faire mon petit Yann? On sent rien du tout. On ne promet plus rien maintenant, on ne promet plus rien les amis. Allez. Un passage en dessous. Moi j'ai confiance, un passage en dessous. Bon ça, c'est pas un gros défi. Allez, faut baisser un peu. Ah c'est beau. T'as pris le risque, faut pas être trop vite hein. On a une prise de risque, une belle prise de risque. Allez, je vais le filmer par là maintenant. Wouhou. Un petit tonneau et tout, voilà. Le mec se permet des petites choses stylées. Des petits extras. Des petits extras. Allez. Ouais. Allez. Est-ce qu'il faudrait pas se mettre de loin pour faire le looping? C'est chaud hein, quand même. Je vais le perdre de vue pendant moi. Non, faut reculer Yann. Faut reculer pour faire le looping. Il faut que tu te recules. Tu vois ce que je veux dire? Ah, il faut une sacrée paire de couilles quand même. Ouais, de plus loin comme ça. Ouais, c'est très bien comme ça, je pense, ici. De toute façon Yann, t'inquiète pas, moi aussi je le fais après, moi aussi je mets mon avion en jeu. Eh déjà tu peux passer en dessous, remonter, et tu sais faire un tonneau et repartir droit. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est pas évident en fait. Tu sais, tu fais ça, hop, tonneau et tu repars droit. Il va être longtemps sans le voir. Allez Yann, c'est le moment jamais. Ha 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 ha!
Jean Cayenne, la brute. Elle l'a tiré, l'a tracté d'une seule main. Regarde-moi ça. Il tractait dur, je te jure qu'il venait la cuisse. On dirait le. C'est l'herbe de Schneck. J'allais le dire. Bon, atterrissage un petit peu. Alors, est-ce que ça serait pas mon tour? Tu veux le faire? Allez, tu me filmes? Allez, je te filme. Allez. Là, je l'envoie par là, comme ça, si je me chie au décollage. Ça marche. Il tombe dans le béton. Et tu vas voir, je vais te le faire, le tonneau. Je vais pas te mentir. C'est bon, il y a toujours le pêcheur. De... Allez, je me chauffe. Faut que tu passes bas, toi, du... Tu le filas trop. Petite frayeur, déjà. Ouais, petite frayeur, mais regarde. Regarde, Yann, le deuxième coup, j'y vais direct. Ah ouais, tu fais pas du... Oula. 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 Oula, oula, non, c'était chaud. Salut. Allez, amusez-vous bien. Par contre, là, je le vois plus. Ah, tu la retrouves. T'es passé au-dessus là? Ouais. C'est pas un vrai looping, mais ça peut compter comme réussi. Passe en dessous. Mais qu'est-ce que tu fais? Je sais pas où il est. Il est là. Merde, il est dans quel sens? Allez, c'est bon. C'est bon, il est normal. Bon. T'avais réussi réellement? Oui, j'avais réussi, mais attends. T'as foiré, tu passes en dessous. Mets-toi près du pont, Yann, j'y vais. Là, tu passes au-dessus. En fait, il faut voler très droit. Attention, t'as... Ah! Oh putain! Oh, il est où? Il est où? Oh putain! Vous voyez très droit, mon gars! Mais l'avantage, c'est qu'il est très stable, celui-là! Pour faire ce que vous voulez faire, c'était presque mieux, en fait! Oh putain, il a fallu te casser beaucoup de fois, Yann! Alors, on pose! Ouais. Regarde, là, filme-moi ça, mon petit Yann! Regarde, je vais faire un passage en dessous! Et là, les gens vont dire: putain, mais mec, Yann, il est nul à côté de toi. Ouais, mais attendez, j'ai énormément de chance là. C'est le motoplaneur, on aurait dû prendre ça dès le départ. J'y ai pensé plusieurs fois. Voilà. Oh putain. Mais moi, je garantis la vie de personne ici. Là, tu t'en rends pas. Oh putain. Et en motoplaneur, c'est plus stable, c'est plus... Le mien, il va trop vite en fait. Allez, là, faut poser. Faut poser là. Ah, faut poser. Allez, je fais un dernier passage en dessous et je le pose. Eh, là, c'est beau ce qui vient de se passer. Ah, très bien, très bien. Allez, go. Oula. Je suis passé à un poil. Je fais poser en face, Yann. Faut que je le rattrape. Je le pose où? Fais attention, c'est un défi là. Faut que tu le ramènes. Là, tu reviens vent de dos. Il va allonger à mort. Tu peux couper le moteur là. Okay, ah non, mais c'est mort, faut faire demi-tour encore. Faut que je le rattrape alors. Vise-moi. Tu mets plus de moteur. Hein. J'ai plus de moteur. Bon, ça va le faire, je pense. Ouais, c'est bon. Oh! Merde. Ah non, c'est bon. Non, mais il est plus large, il est plus stable. Je suis content. Bon, les amis, on a réussi. Oh, je suis content. Hey, on l'a posé, le truc est pas cassé. On est carrément pas sur un échec là. Non, une bonne victoire. Victoire. Il a foutu à l'eau. Ça s'est bien passé quand même. On n'a rien cassé. Les deux sont opérationnels. Wow. Moi, je fais le pont, tu sais, le pont de la rocade. Tu sais, avec le bateau. On y va avec le bateau et je fais le pont de la rocade. Ouais. Mais non, mais celui-là en ville, il me stresse. Yann. Ouais, mais il est plus large. Putain, c'est moi qui a réussi. Ouais, mais il est plus large. Tu veux le faire avec le mien? Non, c'est je bon. Je t'en voudrais pas celui-là. Ouais. Putain, ça c'est beau, Yann. Ce qu'on vient de faire, c'est beau. Les batteries se déchargent au fond. Ouais, ça se décharge assez vite là-bas. Putain, on est sur une grosse victoire quoi. Je l'ai pas écrasé, j'ai fait les loopings tout. C'est pour toi ça, tu l'as pas écrasé? Pourquoi? Parce qu'il est là. Voilà. T'as la classe, tu l'as pas. T'as enlevé la bille? Non, j'arrive pas à l'enlever. Franchement, je suis trop fier. Mais on l'a fait au moins, c'est ça qui est bien. Voilà, parce qu'on était quand même sur un putain d'échec depuis longtemps. Ouais, mais c'est chaud. Vous étiez parti pour casser les deux. Mais on va faire la rocade maintenant. Ouais. Bon, celui de la rocade. Ah ouais. On va prendre mon petit bateau bientôt. Et donc, ce qui est bien avec Yann des fois, c'est que bon, moi je conduis le bateau, et Yann il conduit l'avion.
et on met 100 km/h le bateau à peu près, et l'avion on le met à 100 au-dessus. Mais là c'est déjà très rigolo de faire ça, mais là ce qu'on va faire, on va passer au-dessus. C'est essayer de passer autour du pont, mais du pont en étant de pilotant depuis le bateau. Ouais, là, c'est vrai. On a fait une fois depuis une voiture cabriolet. C'est un... On a volé la caméra lui. C'est plus Boiserie Vlog, c'est Jean-Cayenne Vlog. Ouais. On y pique sa chaîne. Prod. Ouais, RB Prod. Allez, on prend tout. On en prend. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Qu'est-ce qu'il y a, Jean Caillou? Il y a quelque chose qui reste coincé dans son cul. J'ai chien. Ça coince. Ouais. Ça va aller ou pas? Je sais pas, ça va aller. On est avec toi. Je confirme la légende est vraie, mais fais un t-shirt avec ça, avec toi qui pète, ça va se vendre. La légende, la légende est vraie. La légende. Monsieur Jean Caillou, le belge. Le belge. Tu sors ou je te sors? On va prendre une décision, hein. T'es un monstre. Je sais pas si c'est un cheval ou une truie, mais en tout cas, on va pas rater, monsieur. Ah! Non, donne pas de pièce, on vous connaît pas, monsieur. Avance ou dé? T'avances ou je te pousse? Je savais pas qui roulait dans un Kindé. Si je te dis que t'es tendu, c'est que t'es tendu. Allez, écarte un peu tes jambes, Natacha. Non, ça c'est trop. Bouge pas, je vais chercher le problème. Jean Cayenne, accessoiriste. Et voilà. Ah, il est un peu vif sur les gaz. On va pas se mentir. Ah! On va pas se mentir, le petit goujon il a pris son indépendance, t'as vu? Ça fait plaisir, oh le petit cardan est sorti. Voilà. Jean Cayenne accessoiriste. Voilà, c'est bon. Vas-y, mets la petite goupille. Vas-y, jamais. Elle est là, madame. Elle est devant, il n'y a plus qu'à le mettre dans le pot. Il n'y a pas de poils, t'arriveras. C'est où? Regarde qu'est-ce qu'il y a des poils. S'il y a des poils, tu vas entre eux. Ouais, mais c'est pas, on va aller. Attends, c'est de l'autre côté. La vis, on va remettre. Ah bah voilà. Il y a un mec. Fous-moi. Commande-moi un triangle. Je l'ai. T'as le triangle? Il est là. T'es sérieux? Ah, je te le dis. C'est une bonté. Il a le triangle. Il a le triangle en stock. C'est pour ça qu'il faut acheter ici, Zemi. Parce que quand tu casses un truc, il a tout en stock. Et sinon, il appelle le fournisseur et il dit écoute, je vais te commander 30 000 euros de matos. Comme ça, il envoie tout gratos. Et il commande jamais 30 000 euros. Au moins, t'as fait place. Il assure un SAV irréprochable, mon Tian. Ah, Yann. Il me dit bah ouais, j'ai vu un tel. Tu assures un SAV digne de personne. Ah oui, regarde ça, problème de triangle, triangle neuf. Voilà, regarde. Efficacité, rapidité, solidité. SAV, un prix imbattable. Je vais pas te mentir. Plus vite que j'ai fait EV. Des commentaires à faire?
Il n'est pas chez Auto5 ici. Tu as quelque chose à dire? Non, rien. À commenter? Je sens que t'es tendu la caméra. Comme un string pull. On a un nouveau caméraman, Jean Cayenne. Mm-hmm. Bienvenue sur la chaîne de Boiserie. Abonne-toi, ça fait plaisir. Mettez un pouce bleu. Ah oui. N'oubliez pas le pouce bleu. C'est important. Quelle chance qu'il a celui-là, le petit nœud.